trottoir là. Ah, ça va être chaud pour se croiser là. Hein. Allez, trottoir, pas le choix. Hein. Putain, ça va pas prendre des ronds-points alors. De solutions et de services bancaires conçus pour les professionnels. Après étude et acceptation du dossier par la banque postale, conditions sur la banque postale.fr. Que ah non, c'est une évidence. La roche mégot. Solvant sur champ. Gobelet. Leclerc. Ensemble, protégeons notre environnement. Peugeot Pro présente. Portrait croisé. L'un est partout sur tous les marchés et aucune vente dans les frais. L'autre voit partout sur tous les côtés et aucune. Flashback. Bon, à égalité, l'Allemand qui est au service dans la quatrième manche pour revenir à 4 jeux partout. Il y a 4 Français au total sur les cours en ce moment. Maxime Jambier sur le numéro 6, 4 partout face à l'Uruguay. Voilà, on va se calmer un petit peu. Nous avons Jérémy Chardy face à Kyle Edmund et Jérémy voilà. Chardy qui mène 5 jeux à 4, mais Kyle Edmund le Britannique. C'est un vrai dans la terre battue n'est pas vraiment la surface favorite loin de là. Sert pour revenir à 5 jeux partout. Enfin, Benoît Paire a remporté la première manche face au Roumain Marius Copil. Les deux hommes. C'est un vrai. End of flashback. Sans voyageur, sans touriste. Qui est une forme de authentique d'hôtellerie. Et contemporaine, c'est-à-dire que longtemps, elle était plutôt liée à la recherche du terroir, aux traditions, elle avait un. Qui sont d'ailleurs fabriqués par des vrais gens, hein. c'est pas monsieur ou madame. A little later. Aujourd'hui, sur les quartiers des grandes villes, qui étaient plutôt populaires et qui ont tendance à se gentrifier, comme on dit. Donc c'est vrai que qui dit authenticité, dit par rapport au marché. Moche, elle a un vrai potentiel authentique pour les années à venir. Ça c'est bon, toi. L'authentique de demain. Enfin, en tout cas, c'est le pari. Épilogue. À égalité. Devant la personne d'Anne Hidalgo. 3 ans de prison ferme en appel pour un aide-soignant qui avait frappé et insulté une dame de 98 ans dans sa chambre dans un EHPAD à Arcueil dans le Val-de-Marne. La scène avait été filmée par une caméra de surveillance en février dernier. En première instance, l'aide-soignant avait été condamné à. Faut pas dormir la nuit, hein. Ok. Ils ont porté plainte la semaine dernière pour tentative d'homicide en bande organisée. Ah oui, mais c'est interdit, quoi. Enfin, je sais pas. Un conseiller d'Emmanuel Macron envoyé en Iran demain et après. Rencontrer les autorités pour œuvrer à la désescalade, d'après l'Elysée. L'Iran, qui enrichit de l'uranium à plus de 4,5% désormais, c'est au. Pipi proche. Demain, ce sera encore une journée ensoleillée avec un temps sec. Oui, globalement, Vincent, c'est vrai qu'on aura de belles éclaircies, mais ce sera souvent après dissipation des brumes matinales près des côtes de la Manche et du Pays Basque. Il y aura également un léger voile des Pyrénées aux frontières de l'Est dès le lever du jour. Et puis au fil des heures, ce voile qui va se dissiper. On aura juste de timides éclaircies encore du côté de. On l'a dans la nuche. Attendez, il y a des nuages. Oui, parce qu'il y a une association qui se réunit régulièrement. 42 000 membres.
Ça passionné des nuages. Oui, des amoureux des nuages, la Cloud Appreciation Society. Et ils viennent de désigner à l'occasion de la journée mondiale de la... Blablabla, blablabla. Non, elle s'en fout. Ouais, donc elle a pas le poste que Claude Florence du tout, quoi. Allez, clignotant, on s'en fout, quoi. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Tranquille. Bonjour monsieur. Tranquille, demi-tour dans le carrefour. Tranquille. Tranquille. Ah si, c'est interdit monsieur, évidemment. Il est clignotant. Il est clignotant monsieur. Et passer sur le trottoir, c'est interdit. C'est pas interdit. C'est filmé monsieur. C'est filmé monsieur. C'est interdit de passer sur le trottoir monsieur. C'est interdit de passer sur le trottoir. Vous êtes passé sur le trottoir, monsieur. On peut regarder si vous voulez. C'est interdit de passer sur le trottoir, monsieur. Hein? Voilà. Vous avez trop de temps, monsieur. Vous savez pas quoi dire parce que vous êtes en retard. Parce que vous passez sur le trottoir et que c'est interdit. C'est interdit de passer sur le trottoir, monsieur. Oui? Exactement. Vous êtes en retard. Vous le savez, monsieur. Vous le savez. Si, si. Vous le savez. Tu veux pas y aller là, parce que là ça commence à me casser les couilles. Ça bouge, hein? Quoi? On fait quoi? Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Je sais pas. Les seules images des fameux homards maintenant ont été effectivement ravageuses. Et ça, on l'admet au plus haut sommet de l'exécutif. On dit aujourd'hui le problème pas celui du remaniement, c'est celui des images qui ont été diffusées. Okay. Et c'est pour ça que le ministre n'a pas trouvé. Le Parti communiste avec moi pour une fois.
se faire chier, lui, en plombe. On me reproche le fait d'avoir dit que j'étais pas d'accord avec les violences. Ils se sont fiés aussi à une fake news colportée par un foot de merde, parce que j'appelle ça des foot de merde, qui a dit que j'étais, au mois de novembre, nommée attachée parlementaire à La République En Marche. Et alors que c'est totalement faux, bien entendu. Bravo. Ça a refroidi vos ardeurs, ça a diminué votre envie de vous impliquer dans le mouvement? Pas du tout. L'Opel Karl est à partir de 4 990 €. Réservé en particulier non imposable sous condition de reprise, super prix. Non, pas sur le trottoir, on roule pas sur le trottoir. Ça, t'es en sens unique. Du rôle de la mafia chinoise dans ces violences dans un instant. N'importe quoi. 40, Guillaume Fariol pour l'info. Ah, c'était attendu là. Je sais pas ce qu'il essaie de faire. Mais... Non mais n'importe quoi. Non mais ça va pas non. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La France exporte beaucoup d'électricité, elle en importe aussi. Cette canicule, vous l'évoquiez, frappe toute l'Europe en fait, hein, avec des 40 degrés en Allemagne, en Belgique, en Espagne. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les importations et sur la France? Oui, ça peut réduire les exportations. La France est exportatrice nette. Hein. Même aujourd'hui, la France est exportatrice nette. Ceci étant, dans le futur, il faudra tenir compte du fait que tout le monde aura besoin de plus en plus d'électricité, d'électricité en été. Bien, avec une centrale, pour l'entreprise, je crois que si vous arrêtez une centrale, ah, un réacteur de 1300-1400 mégawatts, va pas non. Il est probable qu'il y aura deux réacteurs supplémentaires, soit mis à l'arrêt, soit dont la puissance sera réduite, parce qu'on peut aussi réduire la puissance des réacteurs qui fonctionnent. Merci beaucoup.